Elle va le passer à la télé. C'est la capitaine des cadettes. Vous voulez une interview? Match des cadettes. La différence, moi ce que j'ai vu de là-haut, dépasse très approximative par rapport à vos adversaires. Très approximative, et, effectivement. Vous êtes faites cueillir à froid, c'est ce que dit le coach en face. De toute façon, deux essais d'entrée, donc déjà ça calme. Ça calme. Mais après, c'est vrai ça que calme, mais on s'est... au courage, vous êtes accroché, vous êtes voilà, on a une équipe, on a une équipe courageuse. Vous êtes revenu à un essai, quoi. Oui. Ah ouais. On a une équipe courageuse qui a voulu donner et qui a donné plus que dans l'année, et c'est ce qu'on retient de ce match, qu'on a tout joué. Vous n'avez pas de regret sur ce... Aucun regret, on a joué ce qu'on a dû jouer, et puis c'est le principal. Vous étiez à votre niveau de la saison? On a été au niveau de la saison, même mieux, et c'est le principal, et c'est ce qu'on retient. On est toutes fières les unes des autres, et c'est le principal. Ça se passe bien, il y a une bonne entente. Très bonne entente dans l'équipe, solidaire, quoi qu'il arrive. Et... Vous jouez à 15 un peu ou... On n'a jamais joué à 15. On joue beaucoup de 10 dans le département. On joue ça a l'air d'être plus 10. Facile peut-être de remplir une feuille de match à 10 qu'à 15. Mais... Oui, effectivement, oui. Plus facile, surtout féminin, qui est beaucoup plus compliqué. Et... À 10, c'est moins heurté, c'est plus de l'évitement, il y a des espaces. Beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de vitesse que dans le 15, ouais. Jeu de passe plutôt. Et voilà quoi. Donc finalement, le 10, ça a l'air d'être un format de découverte du rugby féminin. Beaucoup de débutantes. Beaucoup de débutantes. Cadres, mais apparemment, ça a l'air de s'installer comme une normalisation. C'est vrai. Si je vois les finales terroir, il n'y a eu que du 10. Que du 10 filles, au féminin. Finale, ouais. Voilà. Exact. Sur la chaîne des cadettes à 10, les seniors à 10 aussi. Mm-hmm. Alors que les garçons, ils jouent à 15. Oui, c'est vrai. Mais après, pour les garçons, c'est un peu plus facile, je pense, de trouver aussi des joueurs. Les féminines, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver. À 10, les jeunes, les voilà, études. Pour l'effectif, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, à Jetmo, c'est vrai que l'effectif, c'est souvent compliqué. Et là, cette année, on a quand même réussi à avoir 15 filles. Donc, pour la feuille de match, déjà, c'est très sympathique. Et voilà. Les examens ne sont pas tout de suite. Vous avez beaucoup d'étudiantes. Ouais, beaucoup d'étudiantes aussi. C'est vrai que c'est compliqué. Merci, Laurie. La paye. Cadette.